Good morgen, allez, Iden, les sutres aujourd'hui, le Nishman Traester, Bat Miriam, ainsi que leur fatal, le Israël, le Shimon Ben Traester, Hamshin Miriam, Bat Rosilena, et bien, Ben Chabiba, Vetor, Shachol Israël, si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions, mais c'est Rekhovin, Perek, Zain, Mishnah Aleph, Chalon, Sheben, Shte, Chatserot, Arbaa, Al Arbaa, Betor, Asara, Mearvin, Shnaim, Veim Rasu, Mearvin, Echad, Pachut, Mearbaa, Al Arbaa, O, le Mala, Measara, Me'arvin shnaim ve'en me'arvin echad. On va continuer dans notre perek à parler des Eruvei Chatzerot, à savoir, d'abord, principe général du Eruv, c'est quoi? C'est qu'on a tous un domaine très privé et qu'on partage ensemble un domaine, certes privé par rapport aux étrangers, mais un peu plus commun entre nous. D'une certaine manière, par exemple, on a une cour commune où on rentre dans la cour et puis après chacun rentre dans sa maison. À notre époque, ça correspondrait à la cage d'escalier. On a un endroit privé, ça appartient à des meubles, mais qui est partagé entre plusieurs cohabitants et que chacun a un domaine plus privé. Dans une situation pareille, on a interdit de porter de notre maison jusqu'à, dans cette cour publique, enfin dans cette cour partagée, jusqu'à que l'on fasse un hérouve, que l'on fasse s'associer. On va exprimer par là le fait qu'on va unir les domaines, en disant qu'en fait, grâce au Hérouv, qu'on s'associe, qu'on met tous notre main et qu'on le met tous chez une personne, on est tous devenus une seule entité, une seule propriété commune, tous ensemble. C'est le principe du Hérouv. On avait appris maintenant une notion qu'on avait véhiculée beaucoup dans le périple précédent. Lorsque on est par exemple trois habitants, quatre habitants dans une cour, et qu'il y en a un qui ne s'associe pas avec nous, eh bien, il interdit à tout le monde de porter, parce qu'il a l'obligation de s'associer pour qu'on puisse partager. Il faut que ce domaine-là, qui est concrètement qui nous appartient à nous quatre, il faut qu'il soit entièrement devenu une seule, une entité commune à tous. D'accord? S'il y en a un qui ne s'associe pas, eh bien, il bloque tout le monde, on ne pourra pas faire le hérouv. On va découvrir à présent dans notre Mishnah deux situations particulières. Je commence par, d'abord, la Mishnah, elle structure ça d'une certaine manière, mais je préfère introduire d'abord la notion d'après, pour ensuite revenir sur la première notion. Concrètement, grâce au fait qu'on fait un hérouf, donc on va pouvoir porter. Il y a des situations où on ne peut pas faire de hérouf, par exemple. Si on a un mur qui nous sépare entre nous, on a un mur, et on a envie, par exemple, de faire passer des choses au-dessus du... De temps en temps, entre nous, quand on a besoin de pommes de terre, carottes, tomates, on les jette au-dessus du mur, et puis l'autre, il les réceptionne. Donc on a un mur qui nous sépare entre nous. On n'a pas le droit de porter pendant Shabbat, d'un à l'autre. D'accord? D'une cour à l'autre, d'un domaine privé à l'autre, on n'a pas le droit de porter. Est-ce qu'on a la possibilité de faire un hérouv entre nous ou de s'associer? La Mishnah va me dire non, tu ne peux pas faire un hérouv parce que vous êtes foncièrement séparés. On fait un hérouv lorsqu'on est en potentiel uni, et on a un petit problème technique, c'est que pour le moment on n'est pas assez mélangé, alors on va faire un hérouv pour mieux se mélanger, pour mieux unir les domaines. Mais lorsqu'on est foncièrement distinct, on ne pourra pas le faire. Et de là, la Mishnah, elle va arriver maintenant, elle va commencer à parler du cas intermédiaire, un cas très original en fait, où on a un mur qui nous sépare, mais on a quand même la possibilité de s'associer si on veut, parce qu'en fait, il y a une fenêtre dans ce mur, mais c'est si on veut, on s'associe, si on veut, on ne s'associe pas. Et je commence à traduire la Mishnah, ça va aller très vite. Chalon sheben shtei chatzerot, une fenêtre qu'il y a entre deux cours. Soit il y a une cour avec un mur, qui a dedans une fenêtre. Arba'a al arba'a, il y a deux conditions. Cette fenêtre-là, elle a d'abord une largeur de 4 sur 4. 4 tfachim sur 4 tfachim, 40 cm sur 40 cm. Elle est assez conséquente pour pouvoir faire passer des choses dedans, mettre la tête, faire coucou. Oui, et en plus de ça, elle est betor hasara. Elle est à l'intérieur des 10 tfachim, c'est-à-dire qu'elle commence à l'intérieur des 10 tfachim. Il s'avère que grâce à cette fenêtre, c'est une fenêtre qu'on utilise aisément pour passer de chez moi à chez toi. C'est mieux qu'une porte, mais c'est aussi bien qu'une porte. L'idéal aussi, la Mishnah, ça va de même aussi, si on avait une porte, la Mishnah a préféré prendre le cas, ou même une fenêtre, ça suffit, mais à condition qu'elle soit assez large, 4 tfachim sur 4 tfachim, un carré de 4 tfachim, avec en plus de ça qu'elle démarre à une hauteur de moins de 10 tfachim, ok, du sol. Et dans ce cas-là, dans un cas pareil, alors là, on fait ce qu'on veut. Si on veut, Me'arvin Shnaim, si on veut, on peut faire un hérouv ensemble, mais si on veut aussi, Ve'im Ratzo, et s'ils veulent, Me'arvin Echad, on fait chacun un hérouv, plutôt, j'ai inversé, Me'arvin Shnaim, c'est qu'on fait deux hérouves, chacun il aura l'obligation de faire son hérouv indépendant de l'autre au minimum.
Mais Imratsu, mais et si, mais s'ils veulent. D'abord, mais en Rishayim, ils ont le droit de faire le Hérouv des deux ensemble. Ça implique que si moi j'ai fait mon Hérouv dans ma cour, et que toi, dans ta cour de l'autre côté, tu n'as pas fait ton Hérouv avec tes autres voisins, moi, tu ne me bloques pas pour porter. Parce que moi, je suis distingué, séparé de toi par un mur. Il y a une fenêtre, certes, mais c'est un mur. Donc toi, tu n'influences pas chez moi. Mais si toutefois on a envie, Vimratsu si on veut, mais Arvin et Had, on pourra faire un seul Hérouv commun entre toi et moi. Soit tous les voisins ils vont tous donner un même pain et on va le mettre dans une des deux cours, et puis dès lors, ces deux cours qui sont initialement séparés deviennent maintenant une seule entité, et on pourra se faire passer les objets d'une cour à l'autre par la fenêtre, et même au-dessus du mur si on veut. Alors que si on est, par contre, par Houtme Arba, l'Arba, par contre, si la fenêtre elle est tellement petite, elle est moins que 4 sur 4, elle n'est pas pratique à être utilisée. Olemala, mais ça va encore aller au-dessus de Distfahim, pour la plus forte raison s'il n'y a pas de fenêtre du tout. Alors dans ce cas-là, la Mishnah dit, mais Arvin Shinaim, Ben Marvin Echad, ils seront obligés de faire deux Hérouves distincts, ils ne pourront pas s'associer en un seul Hérouve, et de ce fait, ils ne pourront plus porter d'une cour à l'autre. D'accord? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Selah.